C'est le dernier match de cette journée, de cette très chaude journée sur la Côte d'Azur. Dernier match de cette journée des demi-finales du Challenge Elite FFT à Villeneuve-Loubet, toujours en compagnie de Camille Pain. Il fait bon, qu'est-ce qu'on est bien là au soleil ? On est bien, il y a encore du tennis et c'est aujourd'hui. Et c'est le dernier match masculin, dernière demi-finale. Maxime Amou face à Harold Maillot pour jouer demain en finale, en deuxième rotation à partir de 14h, face à Gilles Simon. On retrouve Maxime Amou, qui n'est pas un joueur totalement inconnu. Et on a un petit jeune encore, Harold Maillot. On a eu la numéro 1 mondiale junior tout à l'heure. On a le numéro 1 mondial junior chez les messieurs désormais. Exactement, on parle de relève chez les filles, il y en a évidemment chez les garçons, un tennis français. Et quelle relève, hein, Harold Maillot, vous allez découvrir, que vous deviez connaître, qui a survolé les juniors. Ouais. Vraiment. Et qui attaque fort tout de suite chez les seniors. Et, un sacré joueur, très talentueux. Vous l'avez à l'image, hein, d'ailleurs, Harold Maillot. Il est tout jeune, hein, 18 ans. Et il est lui aussi, comme tous ceux qu'on a vus d'ailleurs aujourd'hui, je parle des jeunes, en pleine progression, et pour pratiquer actuellement le meilleur tennis de leur toute jeune carrière. Sur la gauche de votre écran, Maxime Amou, et une partie qui sera arbitrée par Alexandre Juge, qui est en train d'effectuer le toss. Maxime Amou, qui n'est... plus de la jeune génération. Non, parce qu'il a 25 ans, hein, donc est à mi-chemin entre l'ancienne génération. C'est pour ça que je vous ai dit que voilà, on le connaissait, Maxime Amou, puisqu'il est il est à mi-chemin entre entre ceux qui sont de la vieille génération et puis les tout jeunes, Harold Maillot. Garçon qui évolue essentiellement sur les tournois futurs, hein, Maxime Amou. Un petit peu de tournoi challenger aussi quand il arrive à se qualifier. Pour l'instant, son classement ne lui permet pas véritablement d'entrer dans les tournois Challenger, puisqu'il est 350e mondial. On le verra sur sa fiche qui apparaîtra tout à l'heure quand on vous présentera plus en détail les deux joueurs. Match qui compte pour la partie basse de ce tableau, donc ici au tennis club de la Vanade à Villeneuve-Loubet. Maxime Amou, 350e mondial, donc je vous le disais. Lui qui a été au mieux de sa carrière, 211e à l'ATP. C'était en juillet 2015, il y a déjà 5 ans. 1m85 pour Maxime Amou, droitier, vous le voyez. Jeu très offensif. Un garçon qui aime faire le show, plein de folie. Et qui s'est qualifié pour le grand tableau ici à Villeneuve-Loubet grâce au 7 average. Il a disputé son quart hier face à Maxime Janvier, qui est 160 places de mieux à l'ATP que Maxime Amou. Et au final, eh bien Maxime a réussi à se qualifier pour ses demi-finales en triomphant de Maxime Janvier sur le score de 6-2-6-3. Maxime qui n'avait pas disputé le tournoi de Nice et qui avait été éliminé en poule du côté de Cannes, où il avait gagné un match et il en avait perdu un autre. Allez, face à lui donc Harold Maillot, le Lorrain, garçon hyperactif, 454e mondial, donc le meilleur classement. Il était 447e en mars dernier. Il est tout jeune, il a 18 ans. Et on l'a vu notamment à Marseille cette année au premier tour, disputer un match face à Gilles Simon, âprement disputé d'ailleurs, puisque certes il a été battu, mais au terme de 2-7 remportés par Gilles Simon sur la marque de 6-4-7-6. On l'a vu aussi sur le Challenger de Pau, on l'avait évoqué tout à l'heure, cher à Jérémy Chardy, où il a été battu au deuxième tour, et puis sur un autre Challenger en tout début de saison, où il a également fait une demi-finale. Ça, c'est pour le tableau chez les seniors, hein, pour Harold Maillot, parce que chez les juniors, il a gagné l'Australian Open.
sur une finale qui était 100% tricolore d'ailleurs face à Arthur Cazot. Ils ont été champions d'Europe par équipe. Il a mené cette équipe et il me semble même champion du monde l'été dernier. Voilà, il a vraiment été le pilier de l'équipe de France. Tout ça sont des jeunes que vous connaissez bien, hein, Camille, hein, même si vous étiez plus avec les jeunes filles. Moi, j'étais avec les jeunes filles, notamment. Mais Diane, bon, les garçons, Paris, voilà. C'est pas parce que vous êtes avec les jeunes filles que vous jetez pas un œil sur ce qui se passe du côté des garçons. Ce serait mal vous connaître. Et puis surtout, il y a ce côté équipe de France, que cet esprit que veut développer la fédération. Exactement, ouais. C'est important. Hein. C'est important et on a d'ailleurs fait tous. Donc les capitaines et les joueurs de toutes les catégories, une grande journée en novembre dernier, il me semble, enfin cet hiver. Et justement, avec les joueurs actuels de Coupe Davis, les joueuses actuelles de Fed Cup et tous les jeunes, dont Harold, Diane, et on a fait une grande journée de partage. C'était super sympa, avec des équipes, des jeux. Oui, parce que le tennis, c'est un sport individuel, mais... voilà. On a besoin d'être en équipe aussi. Voilà, vous êtes tout seul sur le terrain, mais quand il y a cet esprit d'équipe, cet esprit de corps, quand vous êtes sur un tournoi et qu'il y a d'autres joueurs français, ils sont là pour vous encourager. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Et puis de se dire qu'on est tous français, qu'on joue tous pour le même drapeau, en fait, c'est une notion qu'on n'a pas à développer parce qu'on l'a en nous, mais c'est vrai quand on la stimule à force d'être tout seul aux quatre coins du monde. On se sent français, mais on se sent tout seul, surtout. C'est ça, ouais. Et de recréer ça, ça donne énormément d'énergie. Et c'était une très bonne idée. Monsieur Charles-Angélique, TFFT, deuxième demi-finale. Match au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans les deux premières et un match tie-break à une manche partout. À gauche de la chaise, Maxime Amou. Droite de la chaise, Harold Maillot. Maxime Amou a gagné le tirage au sort, a choisi le côté. Harold Maillot a décidé de relancer. Voilà, vous savez tout. Monsieur Fenn, l'échauffement. C'est donc Maxime Amou qui va débuter ce match au service. Allez, dernière rencontre de la journée. Vous ne savez peut-être pas que le vent est tombé. C'est par vrai. Rapport au début de partie de Gilles Simon face à Hugo Gaston. Rien à voir, hein. Tout à l'heure c'était quasiment injouable. Ouais. Là, on va avoir une partie qui risque de déménager, comme on dit. Puis là il y a un petit vent. Ah, tout à l'heure on disait la même chose, hein. Il y a un petit vent et puis boum, il y a eu un gros vent. Tornade, mais là il va y avoir un match tout de suite, contrairement à la première demi-finale garçon. Puis avec deux joueurs qui aiment exploser la balle. Première manche au service maximum. Jeu. Allez, c'est parti. Let, premier service. Oh. 0-15.
15 ans. Quinze. Servi. Force, monsieur Maxime. Il a une superbe qualité de frappe, hein, Maxime Amon. Oh, il est très explosif. Hein. Très explosif, ouais. Et en fait, il n'a pas besoin de forcer, pas besoin de, d'aller chercher, de recruter encore plus de force que ce qu'il a déjà. Et au contraire, dans le relâchement, c'est là où ça sort le plus de sa raquette. Amon. Allez, le premier jeu donc pour Maxime Amon. Premier jeu. Service à Harold Maillot. Lettre, premier service. Ça sort bien de sa raquette, hein. Service, le point en première intention là pour Maxime Amon. Ah, il l'a vu faute à Harold, mais en même temps Alexandre Juge est quand même un arbitre aussi très expérimenté. Il l'a pas loin de lui. Ouais. En tout cas, Maxime Amon, il donne le ton, c'est pas d'échange. J'en vois tout de suite, dès que je peux. C'est sa marque de fabrique aussi. Aussi. Ouais. C'est assez déroutant aussi pour ses adversaires. Mais bon, c'est aussi à double tranchant, hein, parce que c'est quand même une grosse prise de risque. Oui, puis sur l'ensemble d'une année, il n'a pour l'instant pas été top 100 aussi, peut-être, parce qu'il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin, à un moment donné. Parce qu'il a une belle main. Hein. 15-40. Pour l'instant, il est en pleine réussite. S'il passe pas de première à Harold Maillot,
va probablement se faire breaker d'entrée. C'est mieux. 30-40. Belle première au corps là pour Harold Maillot. Le break de sauver. Avantage Maillot. Il la prend au sommet du rebond. Puis il est bien à l'intérieur du terrain. Maillot. Parfait. Un jeu partout. Contrat rempli pour Harold d'aller chercher sa première mise en jeu. Il était mené 15-40, deux balles de break contre lui. Il a su être efficace au bon moment et surtout passer des premières. Regarde. Complètement explosé. Amou. Petit cheveu blanc pour Maxime Amou. Amou met deux jeux 1. Vous savez que ça serait un autre rythme hein, cette partie, ouais. Compte tenu des jeux respectifs de Maxime Amou et Harold Maillot. Ça frappe, ça temporise pas vraiment, alors que dans la demi-finale précédente, c'était tout l'inverse. C'est sûr que c'est pas le même style de jeu que non. Gilles Simon. Et c'est bien cette diversité aussi. Reprise.
at 0,15. Un peu précipité là-dessus. Ça regarde. Vas-y, récupère, merci. On sent, cher Olmayeux, l'envie de venir prendre la balle un petit peu plus tôt pour enlever du temps à Maxime Amou, et pour l'instant, pas en réussite sur les zones qu'il choisit. Il se précipite un peu et c'est lui qui donne pour l'instant. Ouais. Ah, c'est mieux. Parfait, en avançant, ça. Un petit peu plus de gifle, plus d'effet. Et voilà le premier ace du match. Deux. Deux jeux partout, deux côtés les balles. Mais un rôle de grand porte quand même plus difficilement ses mises en jeu qu'avec Maxime Amou. Hein. Si on peut faire une première petite analyse au bout de quatre jeux. Après, ses erreurs étaient plutôt dans le sens du jeu, c'est juste la réalisation. Ouais. Avec un de ses premiers coups droits qui est sorti, il suffit de mettre un tout petit peu plus de main, un peu d'effet. Voilà. On sent quand même que ses schémas de jeu sont justes pour l'instant. À lui de rentrer dans son match. 0-15. C'est pas forcément évident lorsque vous avez un joueur comme Amou qui lui est rentré dedans sur les premières dès les premiers jeux. Il est un petit peu secoué, un petit peu obligé de se précipiter alors qu'il va se rendre compte que non, il peut prendre son temps. Il va y avoir des coups flamboyants de la part de Amou, mais... Ça sert à rien non plus de faire comme lui. Casa. Deux coups de raquette. Ouais. C'est simple hein, quand on voit ça comme ça. Hein. Cette capacité en coup droit, moins en revers. Mais côté coup droit, Maxime Amou de réaccélérer avec une telle explosivité. Vraiment sur des schémas en filière courte. Et dès que le point dure, ça devient plus compliqué. 40-15. Encore une fois, pour l'instant, un jeu parfaitement maîtrisé.
juste derrière. Alors, juste derrière. Quelques erreurs côté revers hein, pour Maxime Amou. Les quelques-unes qu'il a offertes à Roll Maillot, c'était de ce côté-là. Il suffisait que je dise qu'il remportait encore une fois facilement sa mise en jeu pour que Harold revienne à 41. Amou. Ah, il commence à mieux construire à Roll Maillot, à se poser un petit peu tout en étant agressif. Et c'est pour ça qu'il pose plus de problèmes aussi sur le jeu de service de Maxime Amou. Et puis c'est la première fois qu'ils se jouent aussi, hein, les deux. Et je pense pas qu'ils se soient beaucoup croisés finalement, hein, parce que. Voilà, Maxime Amou, on le disait tout à l'heure, il évolue surtout sur des tournois futurs. Et Harold Maillot, lui, jusqu'à présent, c'était soit le circuit junior, et là, ben là c'est direct chez les grands, hein, avec l'Open d'Australie et les Challengers. Challenger, c'est la deuxième division. Ça sort et sur la première balle de break d'un rôle de Maillot, et bien il va chercher sa mise en jeu et il prend les commandes et le contrôle de ce set. 3 jeux à 2 pour le numéro 1 mondial junior. Voilà, c'est ce que vous disiez au début, hein, s'il ne va pas chercher le point sur son deuxième coup de raquette, Maxime, derrière c'est compliqué quand on rentre dans une filiale, lorsqu'on s'installe dans l'échange. Et en allant un peu plus côté revers. Et voilà. Je pense qu'Harold Maillot l'a bien senti, parce que sur le point qui lui a apporté la balle de break, il a construit pour ensuite monter côté revers de Maxime Amou. Donc il l'a amené dans une filière un petit peu plus longue. Et de ce côté-là, je pense qu'il a bien en tête ce schéma tactique. Il vient de faire le break, il mène 3-2. Harold Maillot au premier set face à Maxime Amou de cette dernière rencontre de la journée. Deuxième demi-finale du tableau masculin. Qui pour jouer contre Gilles Simon demain en finale, en deuxième rotation à partir de 14h. On aura le plaisir de vous commenter avec Camille, comme on aura le plaisir de vous retrouver le week-end du 15-16 août prochain.
On s'installera dans les terres de l'Hexagone, dans le Val-de-Loire, à la Motte-Beuvron très précisément pour une des étapes de beach tennis, du beach tour. 13 étapes en tout en août, septembre, octobre pour relancer aussi le circuit de beach et permettre aux meilleurs Français de retrouver goût à la compétition. 15-0. 8 étapes en France, 5, enfin 8 étapes en métropole et 5 en Outre-mer. Je maillot. C'est complètement débarrassé de la balle, la Maxime Amou, et un jeu blanc pour confirmer ce break, 4-2. Il s'engage un petit peu moins sur ses retours de coup droit par rapport au très beau geste exécuté en début de partie. Là. Il avait été en réussite. Il prend tellement de risques, il ne peut pas se permettre de le faire à moitié. C'est bien fait, bonne maîtrise de cette volée de revers. Jouer sobrement, il a bien tenu ses avant-bras. Petite faute de pied. La première de la journée. C'est vrai. Balle 9, ramasseur, s'il vous plaît. Belle réaction, Mayomène en tout 4, cas, de Maxime Amou, après avoir pris un jeu blanc et avoir été briqué précédemment. Il réagit plutôt bien avec ce jeu blanc et en revenant à 3 jeux à 4 dans ce premier set. Reprise.
Balle. Ouais, avec un jeu de balle neuve, ça risque d'aller encore plus vite au service pour un rôle de maillot avec ce deuxième maïs. 30-0. Petit service gagnant. Quinze. Je maillot. 5-2. 5-3. Maillot mène 5 jeux à 3. Difficile un peu d'analyser ce match de manière plus poussée parce qu'il n'y a quand même pas énormément d'échanges pour l'instant. On a vu. Enfin, moi, je trouve que maillot construire un petit peu plus. Oui, je trouve que globalement, Harold Maillot est quand même 15-0. Un cran au-dessus, quoi. Même s'il est beaucoup solide, plus jeune. Un petit peu plus en maîtrise, peut-être, de ce qu'il fait. Maxime Amou est assez impressionnant sur sa qualité de frappe, honnêtement. Par contre, il va très vite à l'ouverture. Et à savoir combien de temps il peut tenir à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est pas probant. Même s'il est capable de faire de belles choses. Ouais, l'image. En fait, il joue en deux coups de raquette. Donc, il va, quand on dit ouverture, c'est de l'autre côté, de là où se trouve l'adversaire, assez vite. Sauf que, il est obligé de flirter avec les lignes, de prendre beaucoup de risques. De pied aussi. Ouais. Amou. Bon, ben, un maximum de risques de part et d'autre. Elle a tenté Harold Maillot pour ensuite aller servir pour le set, clairement. Il n'a pas cherché forcément à remporter ce jeu pour commencer le set éventuellement sur son service. Il a demandé de la glace, hein, Maxime Amou. Reprise. Hop, il arme le frigo. Allez, c'est le moment de concrétiser là pour remporter cette première manche pour Harold. Oui.
Il s'en débarrasse de la balle. Il n'a pas besoin de faire ça. Là, il avait d'autres solutions. Là, Maxime, c'est rigolo. Hein, enfin, non, c'est pas rigolo parce que l'échange s'installe et voilà, pas de solution. Là, il y a une balle très longue proposée par Harold. Et comme si j'ai pas le choix de tenter n'importe quoi parce que je peux rien en faire. Ce qui est faux, d'ailleurs. Ce qui est faux, il pourrait faire largement mieux. 30-0. Il lui met la pression là, Maxime, c'est bien, il l'oblige à tirer un passing. Ouais, il a beaucoup mieux tenu en fond de court, Maxime Amou, plus concentré sur ce jeu. Balle de 7. Il se trompe pas au niveau tactique, Harold Maillot, de pilonner le revers dans les moments un petit peu plus tendus d'un set. Voilà. En deux coups de raquette, c'est encore une fois très bien exécuté et ça fait 6-4. En faveur d'Harold Maillot, qui s'adjuge donc cette première manche sans avoir été nullement inquiété, si ce n'est sur son premier jeu de service où il a eu ses deux balles de break à sauver. Il était mené 15-40, on va dire qu'il fallait juste qu'il s'échauffe un peu l'épaule. Ouais, qu'il rentre un peu dans son match. Voilà. C'est un peu plus décousu en début de partie pour Harold Maillot, puis petit à petit rigoureux, il a commencé à mieux construire, à frapper quand même suffisamment bien la balle pour faire mal à son adversaire sans prendre trop de risques. Et le voilà devant, avec un petit peu plus de maîtrise quand même de ce qu'il fait. On a quand même une partie de filière courte de part et d'autre. Alors Maxime, lui, il est déjà prêt à repartir au combat. Il n'est pas fatigué, effectivement. Il n'y a pas eu de gros rallye. Il fait un petit peu moins chaud aussi que tout à l'heure. C'est vrai. Donc c'est vraiment une autre, notre partie, notre physionomie. Deuxième manche, au service à main. Ça confirme quand même le gros potentiel de ce jeune garçon, Harold Maillot. Quinze.
30. Et c'est exactement comme tout à l'heure, hein, Camille. C'est-à-dire qu'il place son attaque en, allez, on va dire en troisième coup de raquette, celle-ci là. Il voit qu'elle n'est pas percutante et qu'elle n'est pas couronnée de succès. Derrière, il est sans solution. Alors que là, s'il allait long de ligne tout droit, par exemple. Comme s'il est en panique d'arriver à 4-5 frappes, ouais, alors qu'il est largement capable physiquement et tennistiquement de faire un meilleur choix. Avec plus d'efficacité, c'est-à-dire qu'il peut réussir quasiment à chaque fois. Il a une bonne volée aussi. Ouais, ouais, il est bourré de talent. Hein. Avantage à vous. Bien servi. Premier jeu, deuxième manche. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain, hein, 14h pour les finales. Finale simple dame dans un premier temps. Qui opposera Alizé Cornet à Armelie Dan. Et donc la deuxième finale à suivre, le simple messieurs Gilles Simon contre le vainqueur de ce match. Et puis demain matin, si vous avez le temps, on vous invite à aller faire un petit tennis, où que vous soyez en France ou outre-mer, hein, bien sûr, hein, n'importe où. Et si vous ne savez pas contre qui jouer ou jouer, bah écoutez, nous on a la solution. Il y a TenUp qui est à votre disposition, l'application TenUp pour trouver un adversaire, pour trouver un court, mais que ce soit en tennis, en beach, en padel. Et vous pouvez vous connecter via vos tablettes, via vos smartphones, via votre ordinateur. C'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas plus simple pour trouver un partenaire et un cours. Oui, il le sait, hein, qu'il va beaucoup trop vite à la faune parce qu'il se précipite. Il est obligé d'exploser la balle à chaque fois, 100% de ses capacités. 15-30. Ils en rigolent tous les deux. Ah.
40. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce qu'ils se sont parlé en plus. Hein. Petite décompression. Hein. Le jeu à 5-4 était joué d'une autre manière. Hein, par les deux protagonistes, là, il y a un petit peu de relâchement, un peu plus d'erreurs. Avantage à nous. C'est rigolo, c'est le même scénario dans le premier set. Ouais. Hein. Il y avait eu une belle de break d'entrée pour Maxime Amou. C'est pas une question de tennis, hein, c'est vraiment au niveau mental. Non, ça sort. Et jeu à mou. Et il chambre en plus, hein, avec le point serré, ah le petit break. Et en rigolant. Un petit chambrage là de Maxime Amou. Bah, écoutez, ouais. Ça fait partie du truc hein, aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tant que ça reste bon enfant. Oui. Là, il a quand même donné un rôle d'un sur ce jeu de service, notamment côté revers, des fautes non provoquées. Il va falloir qu'il gomme. Qui retrouve son niveau de jeu de la fin de la première manche. Ouais. Le droit de gauche, il était beaucoup trop loin pour aller chercher cette balle, la Maxime Amou. Ce qu'on appelle l'essuie-glace. Oui. Après, techniquement, il est bien mieux réalisé ce dernier revers de la part d'Harold Maillot en avançant. Une bonne dynamique, moins statique que lors du jeu précédent. 15. Et sûr, c'est que pour l'instant, avec un simple petit droit de gauche à une certaine intensité, en mettant Maxime Amou en déséquilibre, il a le point à la cinquième frappe. Mmh. Ce qui, pour l'instant, ce qui est démontré, ce qui est peut-être pas. Le cas sur le match entier, mais en tout cas pour l'instant ça marche. Oh, elle est belle celle-là. Oh, super, voilà, celle-ci, elle est magnifique avec le petit effet rétro derrière. Il s'excuse parce qu'elle n'était pas voulue, mais. Oui, mais enfin, en même temps, ça reste, est belle. Ça reste un magnifique ralenti. Regardez ça un petit peu, la manière dont on va réussir cette stop volée. Ouais, en extension en fait. Il a mis le petit effet rétro sans le vouloir. Sans le vouloir. Et il commence à s'amuser, la Maxime. Ouais, c'est bizarrement en train de tourner sur un. Pas sur malentendu, mais. Pas loin. Pas loin. Ouais. Et attention, parce qu'après, il n'y a qu'un super tie break. C'est vrai, hein. Il peut tout se passer dans le super tie break. Voilà.
qu'on sentait une nette domination quand même d'Harold Maillot. Il faut rester concentré. Hein. C'est ça. C'est aussi l'apprentissage du haut niveau. Ouais. Bon, il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce qu'il était sur la balle hein, quand même, Harold. Et le break est confirmé pour Maxime Amou, qui prend le large. En tout cas, il a, j'ai envie de vous dire, le meilleur break hein, psychologique dans ce deuxième set. 3-0. De Maillot, c'est deux finales en futur l'année dernière à Forbach et Saint-Dizier, et un titre également dans cette même catégorie de tournoi à Villers-Nancy. Et puis donc ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est désormais l'échelon au-dessus, l'écran au-dessus, l'échelon. Avec les challengers, voilà. C'est avec les challengers. Et Maxime Amou, lui, c'est finalement une belle carrière aussi hein, en futur. C'est 12 titres quand même, il faut aller les chercher. C'est 12 tournois, mais c'est plus une carrière dans l'ombre. Donc 4 l'année dernière. Et le premier tournoi ATP de sa carrière, c'est ici qu'il l'a disputé. C'est à Nice, c'était il y a 5 ans. Il avait obtenu une wildcard à la part de Jean-François Cojol, qui était l'organisateur de ce tournoi de Nice. 15-0. Qui aime donner sa chance aux jeunes. Exactement. C'est la première du match. Pas franchement besoin de faire ça. Ça sort bien ça. Ouais, magnifique. Super, magnifique. Et au cours de l'échange, il y a eu un coup de défense qui s'est transformé en coup d'attaque d'Harold Maillot pour reprendre le contrôle de l'échange et surtout derrière aller chercher ce point qui lui permet de remporter son premier jeu dans cette deuxième manche. Il reste mené 3-1 dans ce deuxième set. Intéressant de voir ces variations, un coup très puissant, suivi d'une amortie, suivi d'un lob en toucher. Ouais. C'est pas simplement juste frapper fort dans la balle et fermer les yeux. Ouh là 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 là. Zéro. Ouais, là il l'a encore en tête, sa faute de pied. Quinze.
15-30. Il ne faudrait pas qu'il ait regretté quand même hein, ce jeu où il est en train de passer à côté là. Il se retrouve avec deux balles de débreak contre lui. À nouveau, grosse erreur côté revers où il perd l'équilibre. Il ne s'engage pas assez. Il fait la faute tout seul. Hein. Comme il hésite, il se retrouve avec la tête de raquette trop exposée vers le ciel et il ne contrôle pas. Il devrait s'engager un peu plus avec l'épaule droite. Ça l'aiderait à commettre moins d'erreurs et à prendre confiance. 30-40. Ça revient encore une fois. Hein. Ah, 40. La débauche d'énergie pour aller chercher un point. Et en même temps, il l'a tenu. C'est bien échange. sauvé cette balle de break. Il a frappé très fort côté coup droit, mais avec un peu plus de marge de sécurité. Avantage à Mou. Il y a 3 semaines qu'il n'y a rien. C'est des mois qu'il n'y a rien. C'est bon de laisser évacuer sa frustration. Alors c'est bien, mais si vous donnez des indications comme quoi vous êtes fragile, il vaut mieux crier un bon coup et rien formuler. Il ne faut pas exagérer, il est en demi-finale aussi hein, quand même. Bah oui. Donc, et oui, mais ça donne confiance à l'autre. Il faut relativiser. Abou mène 4 jeux à 1. Cela dit, voilà, la frustration, c'est qu'il menait 15-40. Voilà. C'est pas, il n'y a rien, ça fait des mois qu'il n'y a rien. Bah non, ça fait des mois qu'il n'a pas joué. Donc, oui. En tout cas, il tient Maxime Amou. Alors qu'il avait bien mal commencé ce jeu. Ah puis c'est fou, hein, c'est le principe des vases communicants, hein, quand ça va bien d'un côté, ça va mal de l'autre. Ouais. Et quand l'autre qui allait mal commence à aller mieux, ben ça commence à aller mal de l'autre côté qui allait bien auparavant. Et, mais ça c'est systématique et c'est dans tous les matchs pareil. Et à toutes les époques, parce que chez à votre époque c'est pareil. À mon époque, je vous en prie. C'était la semaine dernière. Étonnant quand même cette partie de se retrouver à 4-1. Maxime Reprise. Amou. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté? Ça fait 2010. Et j'allais dire 10 ans. Et ben voilà. Hein, on y est.
C'est donc un anniversaire. Si vous voulez. Que je ne fêterai pas. Vous avez arrêté si. Après Roland-Garros. Hein. Voilà. Donc, ouais, je me souviens, déjà... vous aviez déclaré, tiens, je vais m'offrir une petite coupe de champagne après. Oui, on m'avait offert, la Fédération Le Tour m'avait offert en sortie de cours une coupe de champagne que j'avais appréciée à sa juste valeur, sauf que j'étais à jeun après un match. J'étais arrivée bien guirette en compte de presse. Et d'ailleurs, il y avait marqué zéro Camille Pain et Méché en conférence de presse. Ben oui, mais ne m'offrez pas une coupe à Jean en sortie de cours. Et si, je le referai, je redemanderai une coupe. Parce qu'il faut quand même se relâcher après 15 ans de loyaux services. C'est dommage, il est sorti alors qu'il était tout près de recoller. Là, on cherchait un break. Il aurait été à 3-2 services à suivre, tranquille. Il s'est frustré tout seul. Et ce qui serait surtout intéressant, c'est qu'au moins il retrouve de la sérénité à l'entame du super time break. Parce que là, s'il l'entame, le super time break, dans cet état d'esprit, ça peut être compliqué pour un rôle de maillot. Ah, c'est bien. Ça remotive tout de suite. Visiblement, on est 50 cm dehors. Après Alexandre Juge. C'est juste, en fait, c'est pour rassurer Maxime Amon, hein, qui avait un petit doute. Ouais. C'était pas mal ce petit service volé de la part d'Harold Maillot. Oh, qu'il est beau ce revers. Alors celui-ci, il sort de nulle part. C'est le deuxième qui fait comme ça, il est superbe. Regardez ce que nous propose ça. C'est Marc Macheda qui nous propose là avec. Ce ralenti. Ouais. Hop, il plante bien ses appuis. Ça Il arrive alors qu'il est vraiment malmené à contre-attaquer en calant ses appuis. Égalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont mis d'accord. Amoul a joué en dilettante en son retour gagnant. Et selon les joueurs, elle était faute. Et Rol lui dit, Max, dis-moi qu'elle était faute. Hein. Avantage maillot. Il y a une bataille de discussion négative. Là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, en fait. Ouais, je me demande si c'est pas un peu psychologique aussi entre les deux. Là, ouais, quand même. Non, c'est... Ouais, ouais. Enfin, d'ailleurs, il ne joue pas forcément mieux hein, quand il... Non. Parce que
Harold s'est mis un peu tout seul dans une posture négative, alors que franchement, il avait qu'un break de retard, il n'y avait pas mort d'homme. Et je trouve que son niveau de jeu est quand même un petit peu moins bon que dans la première manche, suite à sa petite discussion avec lui-même. Et là, c'est la même chose pour Maxime Hamon. Ah, il aurait pu tuer ce set, là, Maxime. Avec cette possibilité de mener 5-1 et son service derrière. Hamon mène 4-2. C'est bien construit, fait. Ouais, ça. Ouais. 15-0. Montée dans le dos. C'est frustrant de le voir parfois se casser les dents en cherchant à frapper fort du fond, alors que dès qu'il construit, il est excellent, Maxime Hamon. Il a des volées faciles à conclure. C'est à lui de se canaliser, en fait. 30-0. C'est dehors, mais c'était bien tenté quand même. Après, Maxime lui met quand même beaucoup de pression avec cette montée. Toujours ce break d'avance en faveur de Maxime Hamon, ça fait 5-2. Il va forcer Harold de Maillot à servir pour rester dans cette deuxième manche. Il y a du mieux quand même chez Maxime Hamon sur ce dernier jeu, notamment. Plus tranquille dans son tennis, dans sa tête. Il est venu beaucoup plus souvent au filet. Et forcément, lorsqu'il a cet état d'esprit-là, il force moins du fond si son objectif est de monter. Donc il devient beaucoup plus efficace sur ses coups de fond de court. Puis c'est primordial pour lui d'être efficace à la veille de ce super tie-break quand même. Reprise.
15-0. Deuxième double faute, Darold de Maillot. Il explose au moment de la frappe, là, Harold. Attention, c'est 15-30. C'est complètement inversé. Ouais, hein, c'est la première fou, hein. Manche, il suffisait qu'il tienne jusqu'à 4-5 frappes et c'est Maxime Amou qui a explosé. C'est vraiment inversé. Je dirais plus par un petit moment de difficulté de la part d'Harold Maillot. Qui est vraiment dans son match, hein, depuis le milieu là, de la seconde manche. Et c'est fou parce que là, qui doute en fait. C'est quand même deux doubles fautes sur ce jeu pour Harold. Hein. Ça fait deux balles de 7 pour Maxime Amou. Avantage. À vous. Troisième balle de 7. Ah, elle est bien déposée. Hein. Là, il a bien planté sa jambe. C'est bien, ça fait plusieurs fois que lorsqu'il est en danger, il enchaîne un petit service volé, le maîtrise bien, il a raison. Avantage à quand même trois doubles fautes sur ce jeu. Je crois qu'il veut un super tie-break. Tout, c'est qu'il se reprenne vite, Harold, pour qu'on ait un vrai super combat. Oui, un vrai combat avec les deux joueurs à 100% de leur capacité. Et bien voilà, nous y allions tout droit et nous y sommes dans ce super tie-break. 6-4 dans la première manche pour Harold de Maillot et 6-2 pour Maxime Amou qui remet donc les pendules à l'heure, un set partout et on va donc disputer un super tie-break entre les deux hommes. Avec un avantage psychologique pour Maxime Amou puisqu'il reste sur le gain de ce deuxième set. Ça dépend vraiment, il a été un petit peu plus structuré Maxime Amou, mais c'est pas non plus, on n'a pas eu un autre joueur sur cette seconde manche. Je dirais que c'est vraiment un rôle de se reconcentrer, de se calmer et de se souvenir de ce qui avait marché dans la première manche. Il faisait un droit de gauche très solide et il a amené Maxime Amou à exploser sur des balles assez profondes. Voilà, plus tranquille. Mesdames et messieurs, super jeu décisif, service à nous.
Allez, le premier à 10. Avec deux points d'écart. Oh 1-0. Maillot. Mini Wack. C'était ça. Il est passé entre l'ombre et le soleil. Pas facile, hein, tout ce qui est aérien dans ces cas-là. Il ne faut pas qu'il s'en veuille là, de ce coup. Parce que c'était ce qu'il fallait faire. Là, c'est sorti des abdos. Hein. Il a mis tout ce qu'il avait dans le ventre. Elle est belle cette zone décroisée, un peu courte, là, trouvée par Maxime Amou. Si elle avait été longue, ça n'aurait pas été pareil. Et il vient prendre les deux services d'un rôle de maillot. Maxime Amou, 2.1. Il n'y en a pas un des deux qui a gagné sa mise en jeu sur ce tie-break. Bon, ce qui laisse ce tie-break indécis. Tout à fait. Ce match. Hot. Sa grand-mère. C'est dingue, putain, comment j'ai pu tomber aussi bas, putain. Pas dire ça, parce qu'ils sont pas nombreux à pouvoir jouer le tennis qu'il produit et qu'il propose. C'est juste effectivement qu'il l'extériorise, mais à force de verbaliser ça, on devient pas bon, alors que c'était pas le cas. Donc il faut vraiment qu'il s'interdise ça et qu'il ait plutôt cette attitude-là. Ça lui va bien, ça le met dans une bonne dynamique. Surtout qu'il est très bon. Ouais, au début, c'était Maxime qui craquait hein, sur les échanges dès que celui-ci s'engageait. Il prend un petit peu moins de risques aussi, Maxime Amou, dans la première manche. J'ai cherché le coup en deux frappes, remporter le point en deux frappes. Là, il s'est apaisé, il tient un peu plus l'échange, il en est capable. Et ça change pas mal la donne. Hein. Ça.
sort. 5-3. 5-3. Ah bon. Six-trois. À vous. Six-quatre. C'est bien assez vigilant là, maillot. Mettre le petit retour boisé, le plus difficile à relancer. Ça rebondit près du filet, hein. Fallait pas le toucher le filet. Hein. Amou. Belle attitude là de Maxime Amou hein, qui a l'initiative et beaucoup plus sereinement. Ça lui va bien. Ses frappes, hein, là, Maxime, là. 8, c'est, 4, il veut aller la chercher, cette victoire. Hein. 8-4. Ah bon. Attends. Ce qui est rigolo, c'est qu'il parle comme s'il avait 40 ans. C'est ça. Neuf. Ouais, ça ne devrait plus échapper à Maxime Amou maintenant. 6 balles de match. Voilà, il faut qu'il se remémore sa première manche à Roll Maillot. Il faut qu'il tire du positif de ce match. Et ils vont tirer voilà, quand il aura fait un peu le vide dans sa tête. Allô. Qu'il en aura parlé avec son encadrement. Ouais. Ça sort jeu 7 et match. Victoire de Maxime Amou, qui est donc qualifié pour la finale ici à Villeneuve-Loubet au Tennis Club de la Vanade pour jouer demain en finale face à Gilles Simon. Et ça sera une belle opposition de style entre le professeur et le cogneur. Le cogneur, oui. Effectivement, surprenant cette rencontre entre deux cogneurs. Et avec quand même, au départ, on avait mis un petit avantage à Roll Maillot, jeune Harold, et avec un Maxime Amou qui a su justement s'améliorer au fur et à mesure de la partie en étant un peu plus patient tout en restant agressif mais avec un peu plus de contrôle et
Ils s'imposent un peu contre toute attente parce que dans le milieu du second, ils ont commencé à rigoler. On voyait Maxime oui, vraiment vrai, ouais, ouais. complètement en ouais. dedans. Ils disaient, je ne mets pas une balle. Enfin, voilà, il faut quand même se remémorer voilà, le milieu de la seconde manche. Et puis, ça a tourné un peu sur une petite rigolade. Et voilà, Maxime Amou qui s'impose. Étonnant. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle journée tennis sur FFT TV avec donc, je vous le rappelle, les victoires d'Alizé Cornet et d'Harmonie Tan chez les jeunes filles, de Gilles Simon et de Maxime Amou chez les garçons. On vous donne rendez-vous, Camille, demain à partir de 14h sur la plateforme de la Fédération Française de Tennis et sur FFT TV. Donc 14h pour la finale du simple dames entre Alizé Cornet et Harmonie Tan, suivi de la finale du simple et monsieur entre Gilles Simon et Maxime Amou. Merci Camille. Merci Olivier, on se retrouve demain. Oui, avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Salut à tous. Merci à Marine Raymond, à la chargée de production et toutes les équipes de Vidélio autour de notre réalisateur Marc Macheda pour ces belles images, cette belle après-midi tennis. Merci à toutes les personnes de la Fédération Française de Tennis qui œuvrent depuis 3 semaines pour vous proposer du beau tennis et permettre à tous ces joueurs et toutes ces joueuses de renouer avec la compétition. On vous souhaite une belle et douce soirée. On se retrouve demain à 14h. Bye bye. Salut.